comme une vainqueur. Et attention, on va se relever par le fond. Hein. On va se relever par le fond. D'abord le fond, d'abord le fond. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, superbe. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Cette borne pour 800, ça se découvre après une partie dans la brume. Premier mille de D+, plus d'une heure et demie, la vue elle est, hop, c'est magnifique, la mer de nuages. On va arriver sous peu au col de Portet. Il reste deux bornes. Ça se passe très bien. Station de Plaisalais, je pense. C'est magnifique. 14 bornes, pardon. Pour 1400. Bonjour. Bonjour Merlan. Merci. Merci. 2h30 de course, 15 km. On vient de quitter le restaurant des Merlan et on part pour 10 bornes de descente pour aller à Fabian. Tout va bien pour l'instant. Tout le truc, c'est de prendre son temps. Un drone, c'est de prendre son temps dans cette descente. Arrivé sur l'Ac de Loul, encore à l'ombre. Les prochains, ils auront le soleil, je pense. Un petit souvenir avec la famille il y a 2 ans, quand on avait fait une grande balade un peu rallongée. Spéciale dédicace à ma femme et à Sohan, mais qui l'a quand même fait, et bravo à elle. Donc ça commence à dépendre un peu sérieux, descendre un peu sérieux. On va faire attention, mais on voit que après c'est beau. Hein. Dès que ça va être ensoleillé, ça va être splendide. Passage près du refuge de Loul. Un petit souvenir également avec les filles. Et on poursuit la descente pour Fabian. Le terrain est assez cassant. Où ça va? Bonjour. Merci. 20 km, 3 heures de course, 1500 de dénivelé,
toujours direction Fabian. Tout va bien pour l'instant. 24e kilomètre. On se rapproche de Fabian. 3h20 de course. Une longue session routière en descente pour décrasser les jambes. Et là, c'est magnifique. Bord de la Nesse, certainement. D'une Nesse. Nesse d'or, j'imagine. C'est top. Sympa, faites attention. On quitte Fabian. 25 bornes pour 1005 en 3h30. Et la direction, la Ourque des Aiguillettes. Ça a commencé à piquer un peu. Hein. Allez, c'est parti. h 15 de course. 30 bornes pour 1700. Ça se passe très bien. Déjà un peu dur. Là, on va attaquer la montée à la Ourque des Aiguillettes. On va se prendre a priori près de 900 sur 6 bornes. C'est 15%. Et ça commence à piquer. On commence à dépasser par les coureurs du Tour du Moudang. C'est assez rapide. Hein. 33 km. 2000 en 5 heures, ça monte dur, à la fraîche. Physiquement ça va bien, ça reste dur, c'est long. Il reste encore 3 bornes et 500 pour atteindre la Ourque des Aiguillettes. Mais ça va. Allez, on poursuit. Petit plat avant de poursuivre la montée. Pour l'instant, tout va très bien. Je pense que je vais un peu trop vite encore une fois, mais physiquement, il n'y a pas de souci. Le cadre commence à devenir somptueux. Ourquette des Aiguillettes. 36 bornes, près de 2007. 6h08. Ah, ça pique. Hein. C'est magnifique et ça pique. Il fait chaud avec un bon air frais. Allez, encore 2 bornes et radico. Découverte de la suite. Ça va être raide. Dans la descente vers le tuyau de Bielsa, c'est magnifique. Il me reste 1,5 km avant le ravito. Il y a un petit air frais qui fait du bien. Bon, par contre, on descend 350 mètres en 1,5 km, donc c'est sacrément raide, un peu technique, donc je prends vraiment mon temps. J'ai un peu souffert quand même dans la montée, ça a été, mais je me dis que faut que j'en garde parce que ça n'est que le début. Le but c'est de finir l'épreuve 1,60 à peine fatigué, donc on va vraiment prendre son temps. Et bien prendre son temps surtout pour éviter. Après plus dormir. J'ai envie d'eau fraîche, d'eau pétillante, de m'asseoir, d'être tranquille quoi. Et de profiter de ces bons moments.
le ravito à venir. Parking du tunnel de Bielsa qui mène vers l'Espagne, par où on est passé cet été en vacances. Et bah il se fait attendre ce ravitaillement après 6h30 d'effort. On aura fait quoi, 38 bornes pour 2700, donc c'est un rythme très sérieux. On a un équivalent de 10 à l'heure sur un 220, c'est trop rapide. On va essayer de ralentir après. Déjà, on va prendre du temps au ravito. Puis après, il y a une montée, une nombreuse descente de 600 sur 3 km pour aller au port de Bataillans. Ce qui va nous ramener au 41e km. Et après, 23 km et plus ou moins 2000 de descente. Ça va être très très long. Faire tout en gestion. Bon, ils ont bien ça. Il y a du monde. Hein. Et ça fait plaisir. Merci. Merci. Ah, ils ont bien ça. Allez, on y arrive. Et je peux dire que j'attends avec impatience. Ça commence à être dur. La fin, là, quand tu sais que tu t'en approches. Alors tu le vois, hein. Ravito Bielsa. Allez. Ravito de Bielsa, 6h38. Tout va bien pour l'instant. Il commence à faire chaud. Physiquement, ça va, même si la dernière montée était quand même très très longue. Là, on va prendre 3 bornes pour 600 quasiment, puis après, c'est la grande descente. Tout va bien. J'ai pris un bon temps au Ravito pour me reposer là. Pour manager la monture. Mais tout va bien. À tout à l'heure. Insertion au port de Bataillans. Il reste 3 bornes pour 500. C'est magnifique. Ça vaut le coup. On est pas aux 40 bornes quasiment pour prendre. C'est parfait. On s'est fait tout ça. Et voilà. C'est dur. Ça pique. Arrivé au port de Bataillans. 8h. 41-42 bornes. Pour près de 3003. C'est dur. Hein. Il y a quelques passages un peu délicats, où se vont aller les paterbeuses et les baquettes. Et au bout du petit lac, des chapis à gauche. De bad. Ça gère. Le terrain est pas très roulant. C'est un peu un avant-goût de la descente de Pierre jusqu'à Pierrefitte. Ça descend, ça monte, ça descend. Et surtout, ça use. Il faut vraiment que je fasse l'effort de pas courir. 9 heures de course. 45 km. 3300. On est dans la descente pour aller aux granges du Moudingue. C'est long, dur, t'as pas les cannes,
Et là, t'as pas les cannes, faut surtout pas l'utiliser parce que la petite flingue. Alors c'est joli, hein. Commence à faire chaud, mais c'est long. Il reste encore 4 bornes hein, pour arriver là-bas. On regarde là-haut. Un ruisseau rouge. Ah, c'est pas bon, hein. On passe au blanc après le rouge. C'est super joli, par contre, le parcours il est pénible. Hein. On arrive aux granges de Moudingues. Petit cours d'eau super mignon. Et les granges au bout. Super mignon. Ça fait 9h30. 47 bornes pour 3003. On quitte le ravitaillement des granges de Moudingues. Super sympa. Super accueil. Ils sont vraiment top ces bénévoles. Hein. Chaleureux. Sous la petite aide. C'est vraiment un bon soulagement quand on chichi. Il n'y a rien à dire. Donc là on part pour le prochain salarié. Et bravo. On passe le 50e kilomètre pour 3300 en un peu moins de 10 heures. Là on est sur une section relance et descendante. Alors c'est un peu rapide pour moi par rapport au rythme que je dois avoir. Mais bon, je laisse les jambes tourner et du bien aussi. Il me reste en gros 10 bornes avant d'atteindre la base. Arrivé au pont de Moudingues, spéciale dédicace aux filles, vu que c'est là où on a fait le parcours aventure. Et on continue, direction de l'arrivée à Salary. 10h32 course, 55 km pour 3400. Un peu de route pour changer. On se rapproche de Salary. Avant la base vie. Comment ils s'appellent ? Gorka. Gorka. Enchanté Gorka. On est un peu en avance sur le temps. Hein. 11h13. Il semblerait qu'on arrive à la première base vie. Ça fera 11h20 pour un temps espéré de 12h40. Donc on est un poil en avance par rapport à la cible. Mais bon, ça va bien. J'ai un gros coup de moins bien en plein milieu. Mais là, là je suis bien. C'est joli. Merci. Première base, 11h21. Je sors de la base vie, 12h10 de course, donc 50 minutes de pause, et là on repart sur Vielor et rebelote, on monte au restaurant des Oulettes, enfin au restaurant de, pardon, des Merlans. Ça va bien se passer. Temps estimé sur le roadmap, 4 heures. Je pense qu'il y aura moins. Enfin, j'espère qu'il y aura moins. Mais et là, on va passer juste derrière Sensoria. Le finish de Florian est pour moi le premier passage à Vielor. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc elles sont positionnées, elles sont en ligne de rentrée. Si pendant 100 mètres, vous ne voyez pas de balise, c'est que vous êtes trompé. Donc vous faites demi-tour, vous récupérez la dernière balise. Merci. Allez. Passage à la ligne EC. Devant le restaurant L'Authentique. Petit souvenir des vacances. Et on repart pour
les Merlans en passant par le plat d'Adet. En gros, on va là-haut. Dans la montée vers le plat d'Adet, direction le restaurant des Merlans. 13h20, 70 boards pour 4002. Cette montée, elle est longue, elle est raide, elle est archi usante. Mais tout va bien.